Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Toujours dans la lignée de vous présenter des artisans français qui font du matériel qui va nous intéresser. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Tapir Équipement. Donc, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a un certain temps par le biais d'un ami. Et la première chose que j'ai fait réaliser, c'était une ceinture avec des passants mollis. Donc, vous voyez, avec une boucle cobra, comme ceci, et avec un rembourrage à l'intérieur, donc qui est amovible parce qu'il y a un velcro. Donc, c'est entièrement fait main, fait pour mon tour de taille. On peut l'agrandir ici. Donc, voilà, donc il fait ce genre d'équipement. C'est d'ailleurs son équipement phare. C'est là-dessus, pareil, vous verrez, il a une page Instagram que je vous mettrai en lien, sur lequel vous pourrez voir ses réalisations. Donc c'est un peu son produit phare. Il y a différentes couleurs, donc c'est pareil, il s'adapte vraiment à vos demandes. Donc après, moi, je lui ai fait faire, enfin, je lui ai fait réaliser des pochettes Velcro type trousse, comme ça. Donc vous voyez là, vous avez du velcro. Donc pareil, il s'adapte vraiment à ce que vous lui demandez. Il n'y a aucun souci. Donc c'est soigné. Les coutures sont propres. On est sur du bon matériel. Donc là, voilà, vous voyez des petites pochettes en multicam. Là, en multicam tropique, donc sur lequel je vais faire ajouter un petit emplacement patch. Donc pareil, possibilité de les velcroter ou pas, parce que du coup là je lui ai demandé de me laisser la bande velcro femelle pour que je puisse la mettre dessus pour m'en servir en pochette simple non hook and loop. Donc comme sur celle-ci, vous voyez, là je les ai laissées les bandes. Donc là c'est une taille plus importante. Donc pareil, toujours avec le petit emplacement patch. Là, vous pouvez retrouver son étiquette, donc qu'il met sur ses produits. Donc Tapir Équipement, fabriqué en France. Donc complètement conçu en France, fabriqué en France. Voilà, c'est made in France. Donc voilà, vous pouvez choisir vos coloris. Là, on est sur du Ranger Green, enfin du RAL 7000, je sais plus quoi, là, enfin ce que j'appelle du Ranger Green, mais voilà. Là, vous avez une pochette différente, donc pareil, toujours avec le petit emplacement, mais sans le côté velcro. Là, c'était pour un rajout sur un sac à moi, pour pouvoir le fixer par des grimlock. Donc voilà, je lui avais fait aussi réaliser un contrôle panel. Donc là, le contrôle panel, c'était pour le mettre dans mon light speed. Donc là, vous voyez, il y a une partie. Donc là, ça, c'était quand même un gros gros défi, un gros boulot. Là, il y a des velcro femelles, mais qui font aussi passant molly. Voilà. Donc des deux côtés. Voilà. Donc c'était entièrement recouvert et dissociable. Parce que je voulais pouvoir utiliser que la moitié du panneau et pas avoir besoin de l'autre moitié, ou si j'ai besoin de le détacher. Donc là, ça c'est entièrement du fait sur mesure par rapport à mes demandes. Donc il a vraiment respecté tout ce que je lui ai demandé. Donc effectivement, c'est des échanges de mails, enfin de mails par Messenger. C'est une discussion qui peut être assez longue. Faut expliquer, faut donner les mesures. Là, voilà, je voulais que ça soit biseauté. Donc il me l'a biseauté. Je voulais que là, qu'il y ait les attaches, parce que dans le light speed, on pouvait l'attacher comme ça. Donc voilà, là c'est déjà un truc un peu plus recherché, un peu plus poussé. Donc voilà, je lui avais demandé aussi pour mon Vortex, pour mon solo là de chez Vortex, je lui ai demandé aussi une pochette en multicam. Donc là, pareil, c'est entièrement fait par rapport à mes demandes. Donc vous voyez, donc là il y a un passant molly. Là ici, il y a un petit anneau, parce que j'ai une dragonne que je passe dedans pour sécuriser.
Donc là, j'ai les passes en molly. Là, j'avais demandé des pressions. J'avais demandé deux pressions pour être bien sûr que ça ferme. Un petit passant élastique pour pouvoir avoir un amorti en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment bien, bien fait. C'est qualitatif. Voilà, la multicam. Donc on est vraiment sur des produits à la demande, sur des gens qui travaillent vraiment très bien, qui respectent vos demandes. Donc voilà, je voulais également vous le faire découvrir parce que c'est toujours intéressant. Des fois, on va chercher très loin des produits et au final, on a déjà des artisans en France. Donc ne pas hésiter à les solliciter. En plus, on est dans des gammes de prix. Je pourrais pas vous donner les prix de chaque chose parce que je les ai plus en tête. Et puis ça varie en fonction des couleurs, en fonction de vous demander. Mais on n'est pas dans des choses folles. Enfin voilà, on n'arrive pas à des tarifs démentiels. Et de toute façon, on est dans des gammes de prix qu'on retrouve en les achetant déjà toutes faites. Alors que là, vous pouvez vraiment les customiser à la demande. Voilà, tous ces petits détails que vous ne pouvez pas retrouver sur des choses déjà faites. Donc là, moi, ça me permettait d'identifier mes pochettes par des patchs. Et comme je suis un grand fan de patchs, voilà, j'en ai un petit peu. Donc ça me permettait vraiment aussi de me faire plaisir. Ça, vous ne retrouverez pas sur des pochettes achetées dans le commerce. Donc voilà, bah je vous mettrai tous les liens que j'ai en ma possession pour aller voir son travail. Donc c'est vrai qu'Insta, c'est pratique. Vous retrouverez aussi sur mon Insta plusieurs photos hein, de tous les équipements que je vous présente en vidéo. N'hésitez pas, vraiment Insta, c'est ce que j'ai dit sur ma page Facebook, mais vraiment Insta, c'est ce que j'utilise le plus. Je trouve ça pratique, c'est plutôt sain comme interaction. Voilà, les gens qui vous suivent sont plutôt intéressants et sont pas là pour vous embêter. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir, je poste assez régulièrement. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien. Et vous pouvez voir les différents équipements, me poser des questions. Je suis assez réactif aussi sur Instagram. Voilà, bah, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Au revoir.